le jury. Après, il y a la vente. Et puis à la fin, on met les plats qui sont. Oui, alors amis exposants, bonjour et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors je vous rappelle que vous avez à votre disposition des buvettes, des encas, enfin tout ça, sous les petits stands là tout le tour, juste à côté du podium. Thank you.
L'avant-dernière, on va voir. Dix, 108, 108, 108, 88, 108, 88, 108, 108, 88, 108, 108, 10, 10.
Est-ce qu'il y a la majorité? 7, 5, 6, 7, 8. Bon, ben c'est bon. C'est bon. Voilà. Et il en faut une troisième alors, c'est ça? Ouais. 88, 88, 88, 11, 11, 11, 11, 88 et 88. Bon, voilà, on. Bac à sucre. Oh, bah, ouais. Je vais te dire une chose, mais t'as vu le placard qu'elle a? Non, vous êtes d'accord? Oui. Allez, ouais. C'est là. La 11. Tu sais, à Palais au Japon, en viande de Kobe. Hein. Attendez. Alors, bon, déjà, je te donne ça. D'accord, hein. Oui, mais pour l'instant, oui, c'est ça qui t'en a donc. Par contre, il faut me les mettre dans l'ordre, la médaille d'or dans le milieu. Enfin, maintenant, je vais chercher les éleveurs, hein, c'est pas. Oui, c'est pas nous, hein. Alors, Christian. 96, 108 et 11. Dis donc, ça va faire des ordres, parce que ça, tu vas mettre ça. Voilà. Tu veux un coup de main, Stéphane? Ouais, on va la mettre à côté de l'eau. Pardon. Alors, reculez-vous. On pourrait perdre la place. Voilà, payez-vous. Quelques mots. Et en pour cela, je lui laisse la parole. Président. Je suis à tous présents. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Juste deux petits messages. Donc, notre ami Francis Gigaud, qui fait partie de l'équipe des membres de ce concours, vous a quitté brutalement il y a un mois. Et je voulais quand même, bien connu du monde de l'élevage, Francis a participé beaucoup à la construction de ce concours. Il n'aurait pas vu autrement s'il n'y avait pas eu toute une équipe au départ. Deuxième message, je vous appelais notre ami Hubert Gordon, il n'y a pas longtemps. Hubert, si tu veux venir, s'il te plaît. J'appelle Hubert Gordon parce que je vois qu'il arrive. Il est présent à ce concours, toujours en activité, mais je crois que c'est pour quelques jours, puisqu'il est atteint par l'âge de la retraite. Donc, un garçon comme ça, qui nous a aidé, tout particulièrement aidé, au début des premiers concours, et qui connaît bien. Malheureusement, la crise de la vache folle qui nous a fait passer un petit moment à vide, depuis on a bien remonté. Et Hubert a toujours été là sur tous les concours, non seulement de Tony Mouton, mais aussi tous les concours de France. Voilà. Et nous le remercions, nous le félicitons pour tout ce qu'il a pu apporter à l'élevage de notre région. Et puis Hubert, ben, je pense que depuis plus de 20 ans, on s'est taquiné. Mais on a toujours réussi à concrétiser nos affaires. De temps en temps, ça penchait pour moi. Plus souvent, ça penchait pour toi. Mais on a quand même réussi toujours à s'entendre. Et je t'en félicite et te remercie beaucoup. Et nous comptons quand même, dans les années futures, te voir sur notre concours de Tony Mouton. Parce qu'on sait que tu ne seras pas tellement loin. Et que tu viendras nous faire un petit bonjour et même être dans le jury. Et puis, voilà. Voilà. On t'a fait un petit garçon. Les premiers déjà bon. Et merci encore, Hubert.
sur ton clipboard. Alors venez rapidement les récupérer, de toute façon on a dit non. Hein. Alors, hein. Voilà, donc vous montez l'escalier, vous vous présentez. Un chacun, puis un à eux deux. Oui, oui. Et puis du coup, Fabien Lyon, je garde la prochaine fois. Je suis un Marc Viande. La société Marc Viande, monsieur Alain, est demandé au podium. De la part d'André. Alors André, s'il m'entend, les hangars qui sont parallèles au podium, hein, donc pour les gens qui veulent se restaurer, c'est prévu avec vos fichiers restauration. Donc...